Seigneur, tu es roi du ciel et de la terre. Toi qui aides les hommes dans leur travail et dans toutes leurs tâches, à qui tu as donné l'intelligence et la raison. Pour cela, nous te demandons, par l'intercession de nos grandes saintes, d'abriter, de maintenir et de venir nos chevaux de Camargue et aussi nos manades de chevaux, avec leurs juments et leurs poulains, qui aident les cavaliers dans leur travail de chaque jour et à mieux vivre sur terre. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. E poi tutto cantato a noi, tu vente fita renega. Conosce bien menesterori, mestre, su talento pregà. Tutto ma cabano di sangue, a spafaccia pregati sangue. Se spegni luz alla malagna, deve ire come sacripano. Se mi arriva per sai suire, deve ir un po' mai che se deu, pardon all'homme ben canuire, non governando dalla delle. Ma è d'ancora, hai mancato la messa, che devi consegnare l'Italia. Me ne guardo gente a Maresa, tutto è a paro monostau. Fai che la grande porca giovenco, de tu sei un parte del cammino. Davamo un'arma a Camarguenca, che morirai, Signore. Amen. Pour ces quelques mots, pour là aussi une certaine façon de perpétuer la tradition. Je vais demander s'il y a d'autres élus de bien vouloir nous rejoindre. Les jeunes aussi, si vous voulez venir avec nous, avec vos magnifiques maillots, n'hésitez pas, même ceux qui n'en ont pas. Bien, mesdames et messieurs, vraiment très heureux de vous accueillir aussi nombreux en ce jour d'ouverture des fêtes. Et Père Pabon, merci pour cette messe. Merci d'avoir quelque part appelé à la protection de ces quelques jours de fête, parce que je crois que cette année, plus que les autres certainement, que le spirituel et le temporel se penchent sur le berceau de ces quatre jours de fête, ça peut être qu'une chance. Alors, bien évidemment qu'on est très heureux, puisque tout le monde se rappelle du trou dans la raquette qu'il y a eu l'an dernier, pas de festivité du tout. Donc aujourd'hui, en 2021, on a souhaité, avec les élus, avec toute l'équipe, pouvoir faire la fête. Alors au début, on était parti sur une semaine traditionnelle, comme on sait les faire à Vendargue. Et puis malheureusement, la situation est ce qu'elle est, et on a décidé de regrouper sur 4 jours. Voilà, 4 jours qui n'en resteront pas moins intenses, on le pense. Parce qu'une semaine de fête ou quelques jours de fête, c'est bien évidemment des moments d'échange, des moments de convivialité, des moments d'extrabord, des moments de tradition, mais il y a aussi un côté économique avec toute l'aide dont ont besoin nos manades, dont ont besoin nos orchestres, dont ont besoin nos bars, nos restaurants, nos groupes, et merci pour l'animation de cette matinée. Et je sais que quand on parle de soutien, Max et Jérémy, on avait calé une fête sur 7 jours comme d'habitude, et je sais qu'ils se sont débrouillés pour faire en sorte que toutes les participations qu'on avait souhaité amener à ce monde de la bouvine soient organisées différemment, mais qu'ils puissent en profiter. Voilà. Alors la fête, c'est avant tout la fête des jeunes, bien évidemment. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire une chose, et merci à tous ceux qui sont là, c'est qu'il va y avoir deux ustensiles importants cette année, c'est sur le baudet comme d'habitude, mais allez-y mollo avec le jaune, et puis surtout le masque, voilà. Parce que ça va être la base de la fête. Donc chaque fois que vous allez boire un coup, ben, pensez que le masque est indispensable aussi. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fête, et puis je crois qu'on va passer au Copo Santo.
Thank you.
mesdames et messieurs, durant toute la fête votive, le port du masque est tenu de cas, dans les rues, ainsi que dans les barrières. Nous changeons sur vous pour respecter les consignes sanitaires. Une signalisation pour prévenir les entrées de la rue. Le port de masque votive et le port du masque. Mesdames et messieurs, durant toute la fête votive, le port du masque est obligatoire. Thank you.
Et c'est parti, la première marche de la soirée, la première marche de l'année, voilà. On va retrouver ce temps dans la piscine. Il va falloir que tu ailles la sorcière, la marche. Et que tu l'amènes avec toi dans le haut, dans la piscine. Allez, sors de la piscine, va la chercher là. Tu risques rien, on est là. Continue. Voilà, c'est pas le monde. Allez, le short black, vas-y, appelle-la. Et les bras, ben. Tu vois, c'était presque ça. Merci. Et non, on risque de prendre un carton de jaune. Allez, Stella, Téléka, Corio. Je la connais pas, je la connais pas, tu vois, les gentils, les femmes échettes. Allez, vous allez où? Allez, c'est moi, d'accord. Là, là. Il s'est fait parité, lui, allez.
On va laisser faire le gardien. Je lui dis, c'est ça qui ça va. Oh,
dernier. On applaudit les autres. À tout à l'heure. Ouh, on pétera le soir. Ça va, les autres. Thank you.
Bienvenue à la manade de Vitou Jean-Pierre. On va pas bouder notre plaisir. Nous, personnellement, vous n'êtes pas venus au pré chez nous depuis longtemps. J'ai beaucoup d'affinités à Vendargues, des copains de mon âge. Je connais Guy, Max, la famille Chaptal, des copains aussi. Donc, on est très content de vous recevoir. Voilà, sachez-le. Voilà. Donc, merci de votre venue. Merci.
Donc je profite au passage de remercier Max, monsieur le maire, la mairie pour cette ferrade, le club Taurin. Tout le monde, je vous souhaite une bonne fête malgré les contraintes. C'est pas facile pour tout le monde. Donc profitez bien jusqu'à mardi. Faut en profiter. Voilà. Donc merci à tous. Je ne vais pas vous expliquer la ferrade. C'est un pays de tradition, vous savez ce que c'est. On va vous monter trois bêtes. On vous fera notre traditionnel abrivat de bandide. Et on vous présentera tout le troupeau après. Voilà. Donc merci à vous. Merci de votre venue.
On s'arrête de le canon est. Ils se foutent de nous, les vieilles. Ils ont rajouté certains staffs, c'est-à-dire qu'ils ont lâché une carte de la boule. Thank you.
Ça bombe, Piro. Et tous ces jeunes, ils prennent tous le variant jamaïcain. Ils te prennent des coups pour les vaches, ils sont tous pour les coups. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de passer un moment avec vous. Donc merci à la mairie et au club Touareg d'être venu passer la journée avec nous. Donc on va vous descendre 3 bons ferrades. On compte sur vous pour les attraper et passer un bon moment. Merci Nico. Deux, trois.
Appuie-toi bien dessus, ouais. Ouais. Pareil la marque s'il vous plaît. Mais tiens-le, tiens-le là. C'est bon là, tu vois. Ça va bouger. Allez, tenez bien. Mets tes pieds. Tire bien, Théo. Bien, j'ai soif. Je vais essayer de tenir parce que je pense que ça va mal. Bravo Kiki. Non, fiche, c'est mal. Loris, viens là après. Ouais, c'est quel téléphone qui sonne? C'est le mien. Hein? Il faudrait pas que ce soit l'oreille qui sonne. Ah, mais va y aller le temps qu'on la met. C'est bon toi? Allez, 4 2, 3, 4, 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 viens tout devant. C'est bon. Quand tu veux, quand t'as étaché. Thank you.
tous, j'espère que vous avez passé un bon moment et maintenant on se retrouve aux arènes pour l'arrivée de la Brivade. Thank you.
C'est l'éleveur de chevaux de Ross Camargue, situé au Clard. Éleveur aussi de taureaux de Ross Camargue. Renaud, depuis sa jeune enfance, vit pour le cheval. C'est professionnel. Présente notre race locale dans l'Europe entière. Vous voyez, remarquez ces magnifiques poulains. Son nez s'est arrêté depuis le printemps. Il vient se poser comme vous le voyez, noir. On applaudit bien fort, je pense, il le mérite, l'équipe de Renaud-Gilles. Merci à tous et à bientôt. Manon, Thérin, Bontain, Romano. Magnifique présentation de ce cheval portugais, Ortigo Costa, célèbre élevage de l'Italien. Merci Célia sur Jardinero. Entre en présentation. Thank you.
magnifique présentation. Tu la vois? Oui. Ah, elle va venir. Qui viendra encore là? Il y a des personnes qui vont venir. Et apparemment, tu peux rentrer par là. Et quand le client te le demande, ben tu fais plaisir. C'est juste en arrivée, le mec. T'as fait un derrière. Salut Dédé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il vole? Vous avez ouvert le dessus des cuves et des sacs à patates comme ça, dans des filets, plein de gros copeaux. Ils balançaient les. Ta mère aussi le caillou. 10 euros par ci, 10 euros par là, 10 euros par là. C'est plus cher, ça. C'est vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas où. On boit un petit peu de vin, de bon vin. Thank you.
Manzana chouette. Mais personne n'a pareil, la manzana, personne n'a rien. Qu'est-ce qui se bat? Passez une bonne journée, régalez-vous, profitez, parce que je crois que c'est le dernier jour de fête, hein, et puis je ne sais pas ce qui nous attend après. Alors profitez-en. Bonne journée à tous. Bon, maintenant on va vous faire la ferrade, donc les jeunes là, tout ça, allez-y, hein. Régalez-vous, hein. Attrapez. Hein. Quel âge ils ont, ces petits? Le président va vous faire revoir, et même après pas. Vous suivez. Allez, ok. Il a une heure.
Je crois qu'il ne reste plus qu'à se retrouver au village, à l'apéro et à la bandide, enfin à la brivade, et passer une bonne après-midi. Hein. Merci à vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Il y a un chapeau. Ça, c'est le monsieur Louis Boyard.
Thank you.
bonnet, sortez de la piscine. Allez la chercher. J'ai une moche à tourner pour vous. Allez, on se démarre fort ce soir. Allez, allez, on y va, c'est pas terminé, ne le lui donnez pas. Ça, on te courage. La prime. Là, il n'est pas peur, il n'est pas méchant, il est gentil. C'est une vache, elle n'est pas vache. Allez, vas-y. Avance-toi. Tu risques rien, je suis là. Là, oula, regarde-moi ce retard. Regarde-moi ce feeling qu'il a, ce garçon. Entre l'homme et la bête. Vous allez voir, nous allons pas plus près des étoiles. Ça va pas tarder. Viens. Yeah. Aïe, 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 aïe. Arrête-toi, tu risques rien. Et gentil, tu vois. On y est presque. Floyd. Et bien voilà. Tu vois, c'est comme ton collègue. Sors de... Allez. Et la vache, qu'est-ce qu'elle t'a dit? La vache, elle a dit tout à Paris. Tu viens de Paris?
qu'est-ce que tu nous fais? Allez, on tourne, on tourne, on tourne.
C'est pas le dernier. Kylian tout à l'heure on vous a montré comment. Le collectif nous sont doublés pour les demoiselles, triplé pour les mesdames. Non, voilà. Qui c'est? Hugo. C'est Hugo. Et bien Hugo, t'applaudis d'accord à la prime. Allez, c'est noté. Et dépêchez-vous parce que je n'ai pas y passer la nuit. Hein. Alors voilà. Voilà. Il y a notre animal écart aussi. Voilà, reste avec elle, reste avec elle. Thank you.
Abdimine, Grosso, Ramien, je sais pas. Et bien voilà. Et donc, mieux Maxime, t'es cuit. Allez Maxime, t'es la prime au cours de barrière. De la vache, hein. Allez là. Allez, Santa Foire, toi t'es la prime, c'est bien. C'est bon, allez. Viens me voir, celui qui attrape la queue de la vache. Et si c'est une demoiselle, 200 euros. J'espère que vous vous êtes bien détendus. Je vous souhaite un bon retour. Et je vous rappelle que le prochain tour... Il rentrera plus vite. Là, voilà, et qui comprenne un peu le métier. Et au bétail de la malade de l'As. Et au gardien, et au gardien de l'As.